Il nous reste combien de temps là? Un peu moins d'une heure, je crois. Faut vraiment qu'on rende un sujet là, vite. Mais comment ça, t'as pas pris les deux? Non, mais sérieusement, je l'ai mis en gros sur la liste. Comment t'as fait? J'ai pas pris les deux. Mais t'as vu la taille de ta liste? Comment tu veux qu'on se court pas un jour? La dispute serait-elle devenue inévitable au supermarché? De plus en plus de couples se séparent après avoir oublié un produit en faisant les courses. Simple phénomène de mode ou suite logique de la société de consommation? Un oubli peut-il mener à la rupture? Ou encore cache-t-il d'autres problèmes? Monsieur serait-il infidèle comme le sont 37,8% des Français? En effet, nos caméras l'auraient surpris à plusieurs reprises à la sortie d'un centre de dépistage. Monsieur aurait-il une MST? Non mais le coupable. Tu me l'aurais jamais dit? Mais c'est pas vrai, il dit n'importe quoi! Non mais après toutes ces années, tout ce que je t'ai donné, et je l'apprends là comme ça devant tout le monde! Nos vacances en Auvergne, t'as oublié ça? Bah je sais pas, moi j'aimais pas trop les vacances en Auvergne. Non mais tous les dimanches je te fais ton canard laqué, hein? Et ça tu l'oublies, mais, hein? Je t'ai vu, j'aurais plus de canard laqué à cause de toi! Avec ma pince à épiler, je t'enlève les poils du dos, hein? Oui, je prends ça, tout mon temps et je le fais avec amour! Mais oui, ça j'aime bien ça! Hein. Non mais tu te moques de moi là, hein? Tu m'as fait une MST! Une MST! Tu sais quoi, c'est terminé, je ferai plus jamais rien pour toi, c'est fini! Mais regarde bébé, c'est... Mais tout ça pour un MST! Mais tout ça, c'est à cause de toi, ça! Cours, cours, cours! Cours!